si on les intègre dans la culture populaire. Dat is, ik denk dat er ook een heel groot probleem is met kennis en specialiteit van journalisten. Tout le travail du journaliste de sa journée, parce qu'il fallait abreuver la bête une fois par jour. Parce qu'ici, on aurait été cette période. Voilà. Il fallait absolument construire toute sa journée par rapport à 7 heures de montage. Je eigen veiligheid bezig te zijn, naast vooral zeer duidelijk en helder je journalistieke werk te doen. Maar de principes blijven hetzelfde. Dus we moeten eigenlijk geen onderscheid maken tussen iemand die in een conflictzone aan het werk is als journalist of hier in Brussel, met andere woorden. Nee. Ok, fijn dat we ook even duidelijk zijn. On se rendait compte que quand la BBC World donnait des informations, il se passait beaucoup, beaucoup de choses dans le monde. Mais il reste des choses qui... Parce qu'on a très envie de continuer à suivre le Sud, et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que moi j'ai le sentiment qu'avec, malgré toutes ces limites, par exemple dans mon journal, bon, je ne connais que ce média et c'est le seul dans lequel j'ai travaillé depuis plus de 20 ans, mais que nous continuons à rester extrêmement ambitieux et à jouer de ce que j'appellerais des trucs et astuces avec une série de choses qui sont à notre disposition. Je voulais en faire un peu le listing. Donc il y a le fonds pour l'investigation qui a été créé au niveau de la presse francophone, qui est sur le modèle du fonds Pascal Delcroix, qui est un fonds qui permet à des journalistes de rentrer des projets qui sont un peu hors justement actualité ou volonté des rédactions. Donc ça leur permet aux journalistes qui ont un peu des idées. Donc par exemple, pour le moment, il y a un journaliste qui a un financement pour faire tout un reportage sur l'Allemagne, mais très approfondi, tant télévisuel que écrit. Nous avons comme ça bénéficier de deux choses récentes, donc un webdocu sur le Bhoutan, qui s'appelait le Bonheur National Brut, qui est un webdocu très très intéressant, qui avait reçu le prix du journalisme en dessous, que nous n'aurions pas pu financer, mais dont nous avons pu bénéficier, et qui est fatalement extrêmement différent de ce que l'actualité au jour le jour nous dictait, entre guillemets. En dat er vandaag in deze zaal, uitgerekend in de hoofdstad van Europa, kan gedebatteerd worden over een realistische beeldvorming in de mondiale berichtgeving, moet meer dan een symbolische betekenis hebben, denk ik. Omdat journalistieke onafhankelijkheid, journalistieke vrijheid en journalistieke veiligheid nauwelijks ergens groter zijn ter wereld dan in de Europese Unie. Daarom hebben de media in onze regio, denk ik, ook wel een veel grotere verantwoordelijkheid om de opportuniteiten die ze hebben om over spanningen, conflicten, oorlogen hier en elders uitvoerig verslaggeving te doen en die ook te duiden. Belgische media, ook de VRT Nieuwsdienst, hebben daarin een humane opdracht, ook een humane opdracht. In 2012 heeft VRT Nieuws reportages gemaakt in 50 verschillende landen ter wereld. Dat betekent dat onze radio- en televisiejournalisten verslag hebben uitgebracht vanuit 1 op 4 landen op de wereld. Internationale nieuwsagentschappen, de praktijk van die nieuwsagentschappen, adverteerders, de nieuwsbronnen zelf en uiteraard ook het publiek. We komen daar straks nog even op terug. Het idealistische discours, academische discours, maar ook het politieke discours, wat ik straks ook zal aangeven. Dus dat het idealistische discours houdt, zo stellen critici, onvoldoende rekening met de economische, commerciële, culturele en ook technologische componenten van de nieuwsproductie. Nieuws maken is duur, bijzonder duur, en dit geldt in het bijzonder voor kwaliteitsvol en evenwichtig buitenlands nieuws. In die zin is het, denk ik, begrijpelijk dat journalisten zich ergeren aan heel wat onderzoek dat de inhoud van buitenlands nieuws meet, echt letterlijk meet, zonder daarbij rekening te houden met de complexiteit en de context waarin nieuws wordt gemaakt. Deze ergernis is niet nieuw en ook het gebrek aan dialoog tussen onderzoekers, academici aan de ene kant en aan de andere kant het veld, dus de nieuwsmakers en de verantwoordelijken binnen de nieuwsmarkt. Alors d'abord la censure. Bon, vous tous vous savez que Mobutu a perdu le pouvoir en 97, mais peut-être que vous ne savez pas qu'en 96 il avait ordonné une loi, il a libéralisé la presse congolaise. Ça veut dire qu'il a accepté qu'il y avait des chaînes de télé privées, des chaînes radio et la presse écrite privée. Et après, il a perdu le pouvoir. En 1997, Laurent Kabila est arrivé. En 2002, il a été assassiné. Joseph Kabila a pris le pouvoir. Et en fait, malgré le stéréotype du pouvoir à Kinshasa comme un régime assez faible, il a quand même, Joseph Kabila a quand même une main assez forte dans les médias à Kinshasa.
Mais c'est d'une façon très subtile. C'est pas comme pendant l'époque de Mobutu. Il y a en fait trois institutions de censure qui opèrent à Kinshasa. Il y a des gens qui sont engagés, qui doivent regarder pendant 8 heures par jour, qui regardent toutes les émissions qui passent à la télé sur tout le territoire national, qui passent à la radio, toute la presse écrite, et qui doivent voir où est-ce qu'on a insulté le président, où est-ce qu'on n'a pas respecté certaines lois, ou certains des tabous en fait, parce que nulle part il y a des lois qui disent un journaliste est interdit de parler de ça ou de ça, de ça. Souvent ce sont des tabous, des choses qui ne peuvent pas être dites, mais c'est pas dit non plus que ça peut pas être dit. C'est une connaissance qu'un journaliste doit savoir, et s'il ne le fait pas, s'il prend... Dat nieuwsmedia voor heel veel mensen eigenlijk de bron zijn, dat ook de enige bron op vlak van informatie over deze ramp. Binnen het wetenschappelijk onderzoek gaan we daardoor uitgaan van de stelling dat ramp eigenlijk gezien kan worden als een mediaconstructie. Nu, die notie van mediaconstructie, dat wordt eigenlijk heel mooi geïllustreerd door deze quote van Susanna Franks. Houdt eigenlijk in dat ramp als mediaconstructie betekent dat voor heel veel mensen ramp pas bestaat wanneer die wordt opgepikt door de media. Wanneer die ook als dusdanig herkend en geconstrueerd wordt als een ramp. Dat is een van de sleutelvariabelen. De mate waarin dat autoriteiten het conflict controleren zal maken dat de pers, de massamedia, meer in de pas loopt van wat die autoriteiten willen. Het is uiteindelijk maar van het moment dat die politieke autoriteiten de greep verliezen over het conflict, als een van de twee moet wijken, de rebellen tegenover het regime bijvoorbeeld, dan pas komt er, je zou kunnen zeggen, een vorm van vrijheid voor media om in conflictomgeving te kunnen gaan werken. Persoonlijk heb ik dat heel sterk ook beleefd in Congo ten tijde van de regimewissels. En ook in Rwanda trouwens. Zolang dat je nog in een min of meer chaotische, zou je kunnen zeggen, conflictomgeving zit, en dat is dikwijls het geval vlak voor het beslissende moment en vlak na het beslissende moment, dus wanneer dat de macht kantelt, dus het vertrekken van Mobutu, het aankomen van vader Kabila bijvoorbeeld, de oorlog in Rwanda in 1994, dan is de nieuwe autoriteit nog niet in staat om die media onder controle te houden. En dat stelt Simon Kottel ook vast. Voici le contexte dans lequel la presse africaine des ex-colonies françaises, mais aussi d'autres ex-colonies, doit exercer son activité. Parler de la liberté de presse sans presse d'opposition est un non-sens. Il est évident que la liberté d'action d'un journaliste est limitée en fonction du degré de tolérance du pouvoir envers d'autres partis politiques. Pour rendre la démocratie congolaise authentiquement congolaise, il serait peut-être mieux fait de passer d'abord par un processus régional, pour avoir un mouvement bottom-up, qui n'a pas eu lieu. Ça a été décidé ou co-décidé avec le CIAP, d'abord les élections générales. Je peux supposer quelles ont été les craintes pour, au cas où on organiserait d'abord des élections locales. Une des premières choses qu'on apprend dans les rédactions, c'est aussi une règle non écrite, comme il y a pour les journalistes congolais, c'est cette notion du mort au kilomètre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc ça veut dire que quand il y a un mort à Lost ou à Namur, on en parle. Mais pour qu'on en parle à l'étranger, il faut qu'il y ait au moins 10 morts ou 100 morts. Sinon, on n'en parle pas. C'est une règle non écrite qui est très cynique, mais qui est malheureusement toujours d'actualité. On fait aussi une course à l'information, nous voulons être le premier à vouloir diffuser telle et telle chose, et alors on raconte des bêtises, il y a des choses qui arrivent sur l'antenne, et on raconte des bêtises, on fait des erreurs, ce qui provoque parfois des erreurs, des prises de position, rappelons-nous l'accident à Veteran, des prises de position vis-à-vis de la population, et qui ont quand même connu des effets dramatiques. Tout ça parce que il y a trop d'informations
et je ne sais pas comment vous faites, les journalistes, pour contrôler la fiabilité de ces informations et comment vous gérez, naturellement, comme disait Tim là tantôt, quand par Twitter et par Facebook, on entend tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe, on sait aussi géographiquement où ça se passe, et alors à ce moment-là, on peut aller à la pêche de l'information, vous faites votre métier. Mais l'information qui est offerte sur Internet ou sur ces médias, c'est... je me demande... Moi, ça me fait peur parce qu'on ne sait pas du tout d'où ça vient, qui injecte. On a dit ce matin aussi que ces informations pouvaient fortement influencer des prises d'opinion publique. Moi, ce qui me donne froid dans le dos, ce sont toutes ces images GSM qui sont prises avec des GSM ou des smartphones en Syrie et qui sont balancées dans le monde. Et alors on dit « Ah, mais les pauvres types, mais qu'est-ce qu'ils endurent ? Il y a encore un bâtiment qui écroule, on entend une bombe exploser à droite et des machins pareils. » Et finalement, il n'y a pas de synthèse. On envoie l'information sur l'antenne, on parle, on nourrit, hein, comme on disait aussi, on nous prend parfois pour des mômes en disant dans l'introduction du journal télévisé, vous allez voir tel et tel et tel problème, on parle du problème, on interviewe un journaliste qui est, on ne sait pas où d'ailleurs, mais il est loin parce qu'on entend craquer la ligne, et des machins comme ça. Peut-être qu'on, les ingénieurs du son injectent un petit peu de friture aussi pour que ça fasse plus véridique. Ça s'est fait, hein. Ça s'est fait avec des bruits de bombes, etc. Je me rappelle en Amérique latine, il y avait... Oui, bon, d'accord. Bien. Alors, j'ose espérer que ça ne se fasse pas, naturellement, parce que, bon, je suis un citoyen, je paye des impôts, et j'aimerais avoir de l'information correcte et fiable. Mais tout ça, donc cette course à l'information, ça me fait un petit peu peur. Alors en plus, en sachant que de surcroît, ce qu'on nous met sur l'antenne est influencé par le end-rédacteur, comme on dit, qui impose le filtre multicritère et des critères de sensation, ça sont toujours gagnants. Alors là, je ne sais pas où on peut parler correctement de l'information qui nous intéresse, nous, et surtout, je crois, mes confrères, à un certain niveau intellectuel, où on veut avoir de l'information fiable. Et lorsqu'on a organisé ce colloque, je me sentais un petit peu, donc lors de la première réunion, le naïf qu'il faut toujours quand on fait un brainstorming, et j'ai posé des questions, mais où voulez-vous en venir? Est-ce que les informations que nous recevons du Sud, est-ce qu'elle est fiable? Quelle est la qualité? Et on a tout de suite commencé à parler de la quantité. Hein, et on a vu les statistiques ce matin, la quantité est absolument désastreuse. Et il se passe tellement plus de choses, nous regardons les nouvelles sur la VRT, après on va à la RTBF, on avait l'habitude d'aller voir la BBC, BBC World, etc., jusqu'à ce que la Télénet nous a coupé la BBC du réseau normal. Mais bien, et alors on se rendait compte que quand la BBC World donnait des informations, il se passait beaucoup, beaucoup de choses dans le monde. Et ça, je regrette un petit peu.